Bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors ça y est, c'est bel et bien l'automne. C'est une saison où on est moins souvent dehors, mais où on a peut-être plus le temps de préparer et de déguster des bons petits plats. Alors à Parabole, on a pensé à vous et on vous propose des recettes de cuisine. Mais attention, avec un concept particulier, on va cuisiner avec la Bible. Et oui, on ne le sait pas, dans la Bible, il y a une foultitude de textes consacrés aux nourritures terrestres. Donc on partira à chaque fois d'un texte et qui nous permettra de confectionner avec amour et surtout humour des bons petits plats. Pour nous accompagner, nous serons avec Sorel Lenz, il est pasteur, et avec Eric Olota, lui est cuisinier. Tous les deux travaillent au Liebfrauenberg, un centre de rencontres protestants dans les Vosges du Nord. Aujourd'hui, on va faire fort, on vous propose une soupe de sauterelles. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et on va en profiter pour découvrir Jean le Baptiste. Allez, prenez votre bibe et votre casserole et suivez-nous. 1, 2, 3, 4 Alors c'est l'histoire de Jean le Baptiseur. Bon, Jean-Baptiste, JB pour les intimes, c'était un prédicateur, un mec qui gueule dans le désert, quoi, et qui promet l'enfer pour ceux qui ne se convertissent pas. Parce que le JB, lui, il sait que Jésus y va venir. Bon, niveau crédibilité, c'est pas évident tous les jours. Parce que JB, il vit un peu comme un SDF et qu'il mange ce qu'il trouve. Et Jean avait un vêtement de poil du chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, des criquets et de miel sauvage. Alors nous, du coup, pour la recette du jour, on vous propose une soupe de sauterelles. On va faire suer une bouillonnaise de légumes avec 40 g de carottes, 40 g de céleri, 40 g d'oignons rouges, 40 g de poivrons rouges, 12 sauterelles du Liban. Après, on va rajouter des épices qu'on appelle les épices à mélange africain, qui est constitué de poivre noir en grain, de graines d'ail, de graines de cumin, graines de coriandre, graines de cardamome, graines de chili. Bon, finalement, pas besoin de grand-chose pour cette soupe de sauterelles. Donc la soupe de sauterelles, c'est assez simple. C'est fait, ce sont des sauterelles. Ce sont des sauterelles du Liban. Ah, on peut les toucher? Oui, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Donc, elles étaient encore vivantes ce matin. Bon, je les ai passées un peu au frigo. Donc et ça, il faut manger. Donc, oui, bien sûr, on va manger ça. C'est très, très bon. Hein. C'est aussi bon que des cacahuètes qu'on mange à la maison. Je pense Jean les a mangées crues. Oui, ben moi, mais bon, voilà. Moi, je vous aime tous bien, mais je ne les mange pas encore crues. Moi, je vais les faire cuire et je les mangerai après. Mais je pense que dans le désert, il n'y a rien d'autre à manger. Oui, après, quand tu as faim, tu manges tout. Hein. Donc, on va faire une brunoise de carottes, brunoise d'oignons rouges. Donc, on a fait une mirepoix de poivrons, donc, puisque notre soupe va être mixée à la fin. Ce sont les légumes. Voilà. C'est impressionnant quand tu coupes. Après, c'est un métier. Bon. Je ne pense pas que Jean... Je ne sais pas si dans la Bible... des légumes je sais pas dans si dans le la désert. Bible. Il était dans le désert. Ah. Donc, Jean était le cousin de Jésus. Ah. Parce que Jésus parce avait que un cousin. Sa mère était... Élisabeth était la sœur de Marie. D'accord. Donc, et dans la Bible, il est très souvent appelé le prédécesseur de Jésus. Et il est dans le désert, je pense, il n'a pas mangé de légumes. Mais bon, des sauterelles, c'était la seule chose qu'il trouvait. Donc, et tu les as trouvées où? Alors, parce que tu peux aller dans le alors champ. Alors, moi, j'ai triché comme beaucoup de gens. Hein. Je suis allé dans une animalerie qui achète ça et qui donne ça à manger aux serpents. Mais c'est vrai que les gens qui ont la patience peuvent très bien aller dans leur jardin chercher des sauterelles, des criquets. Donc des sauterelles alsaciennes, mais on peut les manger. Voilà, tout à fait. Donc on va lancer la soupe quand même de sauterelles, c'est quand même le but de la journée. Donc tu as déjà j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. De l'huile d'olive. Dans laquelle on ça attend... Ça c'est aussi très biblique, des olives, l'huile d'olive. Voilà. On va mettre la brunoise de légumes.
J'espère juste que les sauterelles ne vont pas s'énerver et qu'elles vont partir en courant. Je pense qu'elles sont déjà mortes. Non. Non ? Non. Non ? Donc, il faut que je surveille les sauterelles. Enfin, surtout et me surveiller. Et toi, tu t'occupes de ça. Donc, là, on a mis notre brunoise de poivron et carottes, oignons, céleri, tout ça en même temps. On les laisse bien revenir. Il faut que ça ait une très bonne chaleur parce qu'il faut vraiment que la sauterelle soit saisie. La sauterelle, quand on la met dans la casserole, il faut que ça soit très chaud. Si ce n'est pas chaud, elle se réveille très vite et elle s'en Donc, va. Il faut un couvercle pour que... Pas besoin. Donc, quand ça a bien revenu, on y met nos sauterelles. Attention, maman. Non, non, elles vont faire la gueule, mais ce n'est pas grave. Et donc, nous, on a l'avantage... On a l'avantage que nous, on a l'odeur. Donc, la personne qui va regarder ça n'aura pas l'odeur, mais ça se sent... Ça sent très bon, hein. On sent tout de suite l'odeur d'arachide, qui est très, très importante. Oui, c'est très bon. Ça, c'est juste un bouillon de volaille, hein, tout bête. Hein. On laisse juste revenir pendant 3-4 minutes. Les prophètes dans la Bible sont toujours les gens qui critiquaient la société. Où il y a quelque chose qui va aller mal, et voilà. Et Jean-Baptiste, donc... Et il y a beaucoup de gens qui sont allés pour le voir dans le désert et il les a baptisés. Donc, pour cette raison, on l'appelle Jean-Baptiste. D'accord. Et donc, c'est un apôtre ? Non, ce n'était pas un apôtre. C'était un prophète, comme les prophètes dans l'Ancien Testament. D'accord. Il n'était pas banni. Hein. Donc, c'était son choix d'y aller parce que le désert, c'est aussi l'endroit où on rencontre Dieu. C'est un endroit aride, c'est la solitude, c'est... Voilà, c'est tout ce qui est contre la vie. Et tout ce qu'on aime, j'allais dire, oui. Non, non, c'est... Et maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, je vais la mixer, la soupe, et on peut la dresser et la manger. Ouais, bon, c'est pas un velouté non plus, hein. Il reste des morceaux dans cette soupe, hein. Bon, on se goûte ça? Alors, très chère Sourne, la soupe... De sauterelle. Allez, on se lance. C'est béni. Un très bon appétit. À toi aussi, Eric. Donc, elles ne sautent pas, les sauterelles? Non, elles ne sautent plus, elles sont cuites, celles-là. Bon app, les gars. Alors, j'ai goûté cette soupe et je peux vous assurer qu'elle est vraiment très très bonne. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, vous pouvez retrouver cette recette sur notre site internet. Et il y en a 3 autres qui vont suivre. On va maintenant évoquer un sujet qui est lui aussi en rapport avec l'automne. C'est l'accompagnement des personnes en fin de vie. Il existe une association dont c'est le but et elle s'appelle Jalmalve. Jalmalve pour jusqu'à la mort, accompagner la vie. Pour parabole, nous avons suivi quelques bénévoles de cette association. Reportage. Une fois par semaine, Nicole, professeure de lettres classiques à la retraite, se rend à l'hôpital Pasteur de Colmar. Elle va à la rencontre des patients. Ah oui, j'ai tous les museaux. Ah oui, j'en ai loupé aucun. Ah oui. Mon préféré, c'est la fille de papier. Ah oui. Il n'est jamais simple, il ne sera jamais simple de rentrer dans une chambre la première fois. Donc, quelle que soit la formation qu'on ait fait, que ce soit la première ou la centième ou la millième fois, on a toujours un peu cette angoisse quand on toque à la porte une première fois. Nicole est bénévole pour l'association Jalmalve, jusqu'à la mort accompagner la vie. Elle a été créée en 1983 par le professeur René Scherrer. Jalmalve Alsace existe depuis 27 ans. Nous intervenons donc sur demande. Des hôpitaux qui nous contactent et donc après les premières démarches, on signe une convention avec l'établissement hospitalier. C'est toujours eux qui nous demandent, donc on met tout ça en place, on rencontre d'abord effectivement l'encadrement et après donc l'encadrement soignant, après l'encadrement administratif, l'encadrement soignant et l'ensemble des équipes. On fait des présentations donc de l'association aux équipes qui sont concernés. C'est très important parce qu'il faut une adhésion à la fois de l'hôpital et des équipes pour que le bénévole ait sa place, sa vraie place. À Colmar et Mulhouse,
l'association compte une cinquantaine de bénévoles. Ils sont présents à des instants cruciaux de la vie des malades. Les patients qui viennent d'apprendre un diagnostic assez grave, qui savent que leurs jours sont comptés, entre guillemets, puisqu'on ne sait jamais exactement, mais enfin, qui viennent d'apprendre quelque chose de grave, ont des difficultés à le dire. À l'équipe médicale, parce que ce n'est pas toujours facile non plus, les personnels n'ont pas toujours le temps et viennent avec un soin à faire, donc ce n'est pas toujours l'occasion non plus, bien que le médecin en général prenne vraiment le temps de leur expliquer et tout, mais parfois, auprès d'un médecin, on est un peu... on n'ose pas trop parler, quoi. Agnès visite les patients des trois épis. Donc ce sont des personnes en général qui n'ont pas beaucoup de lieux d'expression, dire les choses. Et nous, on vient, on n'a pas de blouse blanche, on n'a rien, ils ne nous connaissent pas. On est un œil tout à fait nouveau, neuf. Je crois que c'est plus facile de parler auprès de nous. Marie est hospitalisée en raison d'un cancer. Discuter avec des bénévoles est un moment de liberté pour elle. La famille, quand elle vient, c'est surtout la maladie. C'est plus ancré là. Qu'est-ce que les soins? Pourquoi ils ont fait ci? Pourquoi ils ont fait ça? T'as des résultats? T'as pas de résultats? Ça va pas bien. Tu veux manger quoi? Tu veux manger ci? On est compressé, on est oppressé, on est confiné dans un cocon qui nous étouffe. Tandis que si des personnes qui viennent d'une association, qui viennent en dehors, on est libre de s'exprimer comme on veut. Nous avons quand même une année de formation avec des week-ends et des samedis. Au cours de cette formation, qui est une formation extrêmement drastique, nous apprenons évidemment à aborder la maladie. Des bénévoles accompagnent aussi les personnes endeuillées. C'est le rôle de Paul. Les gens de l'entourage ont peur de la mort. Ou disent, on ne sait pas quoi dire, on voudrait bien être auprès d'elle, mais on ne peut pas faire revenir son mari, ou elle répète tout le temps la même chose, alors on ne sait plus quoi lui dire. Mais il n'y a rien à lui dire, simplement écouter sa souffrance. Et les gens en deuil ont besoin de répéter et répéter et répéter pour épuiser toute cette souffrance qui s'est accumulée en eux. Parfois, pendant des semaines, on répète la même chose. Eh bien, j'écoute. Ont besoin de pleurer sans qu'on leur dise « mais ne pleure pas ». Donc, les gens se mettent à pleurer et s'excusent. « Oh, excusez-moi, mais je dis, vous avez souffert, vous avez le droit de pleurer et vous êtes là pour pleurer. Moi, je ne vous interdis pas de pleurer. C'est normal quand on souffre. » Comment les bénévoles peuvent-ils se détacher de leurs émotions? C'est impossible de se détacher. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un ordinateur, je ne suis pas un robot. Mais nous avons heureusement des groupes de parole, c'est-à-dire une supervision avec un psychologue, où je peux décharger mes émotions trop fortes. Alors, on a des supervisions régulières, mais si je suis dans la difficulté, ça peut arriver que ça ressoulève des douleurs en moi, parce que je le répète, je ne suis pas insensible, hein. On peut toujours le contacter par téléphone et éventuellement se donner un rendez-vous pour ne pas porter un mal-être ou une blessure qui se ravivrait pendant trop longtemps. Parce que si je suis dans la souffrance, je ne suis plus du tout dans l'écoute. C'est plus possible. Nicole, Agnès et Paul font partie des 1600 bénévoles de Jalmalve en France. Voilà, c'est la fin de cette émission. On espère vous retrouver à la prochaine, où on aura cette fois-ci une nouvelle recette à base d'agneau. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.